Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une astuce zéro déchet pour le ménage en vous montrant comment faire des lingettes écologiques. Alors pour cette recette, il vous faudra des cotons lavables que vous utiliserez uniquement pour cette utilisation et non pas pour la cosmétique derrière, un petit pot, de l'eau minérale, du savon noir et de l'huile essentielle ainsi que du vinaigre blanc. Alors cette recette est très simple, il suffit de prendre votre pot hermétique, d'y insérer donc 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Le vinaigre blanc va vraiment avoir un côté anti-calcaire et désinfectant pour vos surfaces. Ensuite, 2 cuillères à soupe de savon noir. Alors essayez de mettre quand même 2 cuillères à soupe rase, pas des cuillères à soupe généreuses parce que le savon noir, si on en met trop, il faut quand même ensuite penser à bien rincer et donc du coup ça ne servira à rien. Donc on évite de mettre trop de savon noir, on y met juste un petit peu pour que le savon puisse avoir son effet dégraissant et nettoyant. Ensuite, je rajoute 2 cuillères à soupe d'eau minérale. De l'eau minérale, pourquoi? Parce qu'en fait, elle va être beaucoup moins calcaire que de l'eau du robinet. Donc, on n'est pas là pour nettoyer pour ensuite enlever le calcaire. Donc, on évite de se donner du travail pour rien. Voilà. Et ensuite, 10 à 15 gouttes d'huile essentielle. L'huile essentielle de votre choix. Moi, j'ai choisi l'huile essentielle de citron parce que pour la cuisine, elle a un petit côté dégraissant. Alors, vous touillez bien. Ça va faire une espèce de petite pâte. Et ensuite, vous insérez vos lingettes. Moi, j'en avais que 5 ou 6, mais vous pouvez vraiment remplir vraiment le pot de lingettes. Hein. Ça dépend aussi de l'épaisseur. Vous mélangez bien et vous allez voir que toutes vos lingettes vont vraiment bien s'imprégner et s'imbiber du mélange. Vous pouvez vraiment les garder pendant longtemps. Elles ne sèchent pas. À partir du moment où votre pot est hermétique, vous pouvez vraiment les garder longtemps. Moi, je crois que je les ai gardées 3-4 mois. Ensuite, voilà, vous n'avez plus qu'à les laver. Et ensuite à recommencer la recette ou voilà tout simplement. Donc vraiment c'est très écologique, c'est efficace parce que les produits sont respectueux de l'environnement et les lingettes sont lavables. Voilà. Donc là je vous montre sur une surface bon qui est quand même propre, hein, c'est pas une surface sale, mais juste pour vous montrer en fait le petit côté humidifiant qu'elles ont absorbé. Voilà pour vous montrer que justement ça a bien imprégné le coton. Et donc ça nettoie vraiment très bien, voilà. Après vous pouvez rincer ou passer un chiffon vraiment comme vous voulez, mais vous voyez vraiment qu'on a vraiment quelque chose qui s'est déposé sur votre coton et qui nettoie vraiment très bien. Donc si vous êtes très lingette et tout, eh ben, je vous donne une solution pour avoir des lingettes écologiques parce qu'on essaye de réduire les déchets et les impacts sur l'environnement, c'est vraiment très important. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et me montrer vos résultats. Et là je vous montre sur une surface en bois et stratifiée, le côté savon noir va vraiment aussi nourrir votre bois et ça va faire du bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.